Cher matelot, cher timonier du grog et autres voyageurs de la galaxie rôliste, bienvenue dans cette partie 2 consacrée aux jeux de rôle Tales from the Loops et Things from the Flood. Dans la première partie, nous avons vu toute la gamme de Tales from the Loop ainsi que l'unboxing de la boîte d'initiation ainsi que les deux écrans. Dans cette deuxième partie, je vous invite à parcourir la gamme de Things from the Flood ainsi que tous ses suppléments. Donc asseyez-vous dans votre fauteuil et on profite tous ensemble de cette partie 2. Nous allons passer maintenant au deuxième jeu qui s'appelle Things from the Flood. Alors là, je ne sais pas comment j'ai pas écorché le nom du jeu. Si Tales from the Loops parlait des années 80, Things from the Flood, lui, parlera des années 90. Les enfants que vous jouiez en 80 avaient de 10 à 14 ans. Et là, dans Things from the Flood, ils auront de 14 à 19 ans. Il y a beaucoup de changements majeurs, mais par contre, la maquette reste très fidèle à celle que vous avez pu voir dans Tales from the Loop. Toujours ce blanc épuré, avec ses couleurs jolies, mais un peu plus angoissantes. Vous voyez, au lieu d'avoir de l'orange, eh bien nous avons du rouge. Ce rouge n'est pas là pour rien. Il nous amène ce côté plus sombre que connaît Things from the Flood et un peu plus angoissant. Things from the Flood, c'est aussi un livre de Simon Stalenhag. Simon Stalenhag lui-même nous fait découvrir, dans ses illustrations, le côté sombre de l'enfance. Comment un enfant peut grandir dans les années 90 qui sont, comment dire, moins enjôleuses que les années 80. Things from the Flood, c'est un jeu qui continue la lancée de Tales from the Loops. Mais il peut être joué en stand-alone. Il n'y a pas besoin de Tales from the Loops pour jouer à Things from the Flood. Les années 90 sont bien plus sombres que les précédentes. La Suède connaît une crise économique. Le loop est privatisé et surtout, des eaux noirâtres ont émergé du sol, obligeant des zones d'évacuation. Les bois sont le refuge de robots errants et pour couronner le tout, la violence devient de plus en plus présente. Et bien sûr, des maladies inconnues apparaissent au fur et à mesure du temps. C'est donc dans cette ambiance morose que vos personnages vont évoluer. Chômage, misère, frustrations seront au rendez-vous. Il y aura aussi des perturbations technologiques, des troubles sur l'origine des eaux polluées, l'insécurité et comportements de plus en plus étranges de la population. Sauf que, comme je vous le disais, ce n'est plus des adolescents de 10 à 14 ans que vous allez jouer, mais bel et bien des jeunes hommes et des jeunes filles de 14 à 19 ans. Là encore, ils seront livrés à eux-mêmes, car ce n'est pas parce qu'on grandit de 4 ans de plus que les adultes vous écoutent. Si franchement les adultes pouvaient regarder les séries comme Stranger Things, ils verraient que quand un enfant arrive en disant « Il y a un démon Gorgo qui débarque de l'autre côté de la frontière, et ben il faut l'écouter !» Excusez-moi, tout ça me ramène à des expériences traumatisantes personnelles. Donc, comme je vous le disais, les enfants des années 90 seront confrontés à beaucoup plus de mystères. Nous avons une disparition de la chance, et oui, désormais, les jeunes adultes n'auront plus accès à la chance et devront réfléchir un peu plus à leurs actions. Nous aurons aussi l'apparition des séquelles qui peuvent conduire à la mort du personnage. L'adolescent aura désormais des conditions contrariées, effrayées, épuisées et blessées. Chacune de ces conditions amèneront à un malus à ses jets de dés, jusqu'à atteindre la condition brisée et traumatisée, état dans lequel le personnage ne peut plus rien faire tant qu'il n'aura pas été soigné. Et bien dans Things from the Flood, votre héros pourra bel et bien mourir. Autre petit point de règle, vos attributs, eux, n'augmenteront plus. On considère chez Frilic Publishing que arrivé à 14 ans, vous avez sûrement arrêté votre croissance. Donc, les attributs ne changeront plus, mais les compétences, elles, continueront à augmenter. Nous allons donc maintenant nous pencher, toujours avec chauvinisme, sur la France, mais celle des années 90. Un livre toujours formidablement illustré, avec la carte de la ville de Caen, car si nous jouions à Horrorville dans les années 80, on nous propose cette fois le décorum de Caen. Comme je vous l'ai dit, dans les années 90, on quitte l'insouciance de l'enfance et l'insouciance surtout des années 80. Ce chapitre débute sur la présentation de la France dans les années 90. L'URSS est tombée, la guerre froide n'est plus, donnant triomphe au néolibéralisme. Les Balkans sont en guerre, la violence des hommes se manifeste aussi en Irak ou encore au Rwanda. Et la mondialisation grandissante provoque des heurts sociaux en France et ailleurs.
La période est au doute, à la recherche d'autres choses et finalement aussi à une forme de résignation. Caen, quant à elle, est une ville marquée par les catastrophes. Des catastrophes dues aux expériences scientifiques et au grand accélérateur national synchronique, le GANS, dont l'objet est de découvrir de nouveaux éléments pouvant compléter le tableau périodique de Mendeleïev. Mais le GANS a ouvert un passage vers d'autres lieux. Ces eaux noires ont provoqué d'immenses ravages. Infiltrations, effondrements et glissements de terrain, allant jusqu'à déclencher l'évacuation de la ville. Ces phénomènes, malgré le retour des canets, a laissé des marques indélébiles et provoqué une exode d'une partie des habitants. Moi, si je peux me confier à vous, je suis même impressionné qu'ils soient revenus. La ville a ensuite droit à une description détaillée, avec la description des endroits emblématiques pour les ados, le campus, le lycée, CHRU ou encore le jardin des plantes. Diverses personnes marquantes de la ville ont aussi leur description dans cet ouvrage. Le chapitre contient aussi trois nouveaux archétypes, l'activiste, le militant et le survivaliste. La suite de l'ouvrage est composée de quatre superbes scénarios que je vais vous montrer tout de suite. Non, je vais attendre que vous les lisiez vous-même et que vous les fassiez découvrir à vos propres joueurs. Fumble Dice, du coup, il vaut mieux jouer en France, aux USA ou en Suède ? Bah, vous jouez où vous voulez, hein. Non, plus sérieusement, on jouera où on a envie de jouer. C'est-à-dire que ça va surtout se référer à votre toile de fond. Si vous voulez jouer à Boulder City, qui se trouve aux USA, vous aurez sûrement des choses beaucoup plus hollywoodiennes. Voilà, les super poursuites, la police qui arrive en hélicoptère, peut-être à la zone 51, blabla tout ça, tout ce qu'Hollywood aime nous fournir. Si vous jouez en France et que vous êtes un peu plus chauvin comme moi, eh bien vous aurez comme toile de fond des endroits que vous connaissez déjà. Si vous jouez dans la ville de Caen dans les années 90 par exemple, eh bien vous pouvez utiliser un décorum bien présent et même se parer de pouvoir aller faire un tour en ville et se dire « Tiens, ce soir, cette terrasse de café, elle m'inspire ». Si vous voulez respecter le décorum de Simon Stålenhag, c'est en Suède qu'il faut jouer. La série télé, elle, se passe à Boulder City. Mais libre à vous de réinterpréter tout ce qu'elle vous donne comme support pour le mettre en France ou en Suède, voire dans la région qui vous intéresse, de créer votre propre loop et de jouer dans votre propre ville. Pourquoi pas ? Nous allons vous parler désormais de deux recueils de scénarios que sont « Nos amis les machines » et « Hors du temps ». Je n'ai malheureusement pas le supplément « Nos amis les machines » car ce dernier est épuisé et nous espérons que Arcane Asylum le rééditera, le réimprimera pour que ceux qui ont envie de se plonger dans cet univers puissent avoir tous les recueils de scénarios mis à disposition. Ces recueils de scénarios ont toujours la même charte graphique, toujours encore ce style épuré suédois, mais là, je ne vous en montrerai pas plus, car, comme vous le savez, c'est un recueil réservé aux maîtres de jeu. Ce sont des livres pleins de scénarios divers et variés, contenant en général plus de 5 longues histoires chacun, et une partie qu'on appellera ici la mixtape. La mixtape, ça m'a charmé, je l'avoue. Qu'est-ce que c'est ? C'est une mixtape à l'ancienne contenant une dizaine de titres et chaque titre est une petite aventure à proprement parler. Ça rappelle vraiment les années 80-90 que, encore une fois, les jeunes rôlistes n'ont pas connu, où on se trimballait avec sa cassette audio. Vous savez, là, on avait plein de trucs qui sortaient plein de bandes quand on faisait n'importe quoi avec et il fallait la remonter avec un crayon. Donc effectivement, pour vous jeunes joueurs, ça peut paraître complètement aberrant qu'on parle de technologie de cette époque, mais les rôlistes de mon âge, eux, ont un affectif particulier à ce qu'on appelait les mixtapes. Les deux volumes sont faits à partir du même squelette et sont très bien écrits. Ils offrent chacun de leur côté des heures et des heures de jeu. De quoi amener les enfants que vous allez avoir au début à des jeunes adultes qui arriveront à la fin de leurs aventures. Tales from the Loop a été écrit d'après l'œuvre de Simon Stålenhag et édité par les éditions Free League Publishing. Il a été retranscrit dans la langue de Molière par les studios Arcane Asylum. Avant de finir cette vidéo, je tiens à remercier au nom de l'équipage du Grog les éditions Arcane Asylum pour leur confiance.
Cette vidéo, elle, a été réalisée à partir de l'affiche des jeux Tell from the Loop et Sing from the Flood disponibles sur le site du Grog. Eh bien moi, de mon côté, je vais me replonger dans les années 80, je vais me refaire la série Stranger Things, je vais aller regarder les Goonies et peut-être me revoir la série Tell from the Loop sur Prime Video. Je pense que je vais me plonger tout de suite dans la boîte d'initiation et c'est parti, à mon avis, pour des heures et des heures d'aventure. Quant à vous, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à voir cette vidéo et je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures. Sur ce, bonne lecture et bon jeu !